Bonjour et bienvenue à cette vidéo pour comprendre un peu plus le jeu 5 de crime. Alors, lorsque vous allez rentrer l'adresse, vous allez voir que le jeu se charge et il y a une animation donc qui met le suspense des élèves. Des éléments vont attirer votre attention. Alors, comme je le dis parfois dans les jeux d'évasion, l'esprit, c'est que l'élève se mette en mode chercheur. Il n'y a pas d'information qui nous dit quoi faire maintenant. Mais si on se promène un peu, à un moment donné, et qu'on clique, on va s'apercevoir que, ah, bon, voilà, j'ai changé d'étape. Alors, on a maintenant un message. Avis à toutes les voitures, on nous signale une scène de crime à l'entrée ouest de la ville. Les agents disponibles doivent se rendre sur place immédiatement. Et l'auto se met à clignoter en plus gros, donc on peut présumer qu'en cliquant ici, on va rentrer dans la suite. Alors, c'est vraiment par observation, par essai, par erreur. On a maintenant une image où on ne voit pas précisément qu'est-ce qu'il faut faire encore. Alors, comme je le disais, on cherche. Alors, si on se met à cliquer, on va voir, ah, voilà, j'ai cliqué une fois. Ici, on a quelque chose dans sa tête. Ça bouge, ça attire l'attention. Si je clique, j'ai maintenant une information supplémentaire. Alors, c'est vraiment comme ça qu'sont pensés les jeux d'évasion. Alors, ici, Sylvain se présente, il est notre assistant. Nous avons encore un meurtre sur les bras. Le corps a été déplacé et récupéré par les légistes, pardon. Il semblerait que le tueur vous ait laissé une note, une calculatrice et un portable. Alors là, on a des indices qui nous amènent à dire, OK, on poursuit. Alors si je me mets à cliquer, ah, voilà, j'ai ici l'information, la calculatrice, c'est la note qui scintille. Alors c'est sur elle que je vais commencer. Et là, on arrive véritablement dans le jeu où on pourra entrer et on a donc des consignes, on a aller un petit peu plus loin et par la suite on va découvrir donc tous les calculs qui sont à faire et il faudra aller chercher d'autres endroits sur les cartes, hein, sur Geniali, c'est qu'il y a des points qui sont ciblés pour faire sortir des bulles d'information. Alors je vous souhaite une bonne exploration, mais je voulais prendre le temps de vous montrer avec cette courte vidéo un peu le début parce que lorsqu'on n'en a jamais vu, on peut être un petit peu en se demandant qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ces jeux et plusieurs enseignants ont produit des jeux d'évasion de façon extraordinaire. Alors, vous pourrez voir sur le Padlet plusieurs des ressources présentées et il y en a de nombreuses autres que je n'ai pas réussi à répertorier. Bonne exploration.